sortis dans le secteur offensif. Bah, ils étaient tous sortis dans le secteur offensif, donc il aura le choix. Attention à ce ballon, oh, avec le 4-0. Et Jonathan Iglesias qui profite de ce ballon dans la profondeur pour s'offrir à son tour un but. Clermont en est à 4. Et Jonathan Iglesias qui apporte son écho à la construction de ce succès clermontois, son deuxième but de la saison, qui permet au Clermont Foot Auvergne de s'offrir un écart de 4 buts, comme c'était le cas le week-end dernier face à Valenciennes. Service dans la profondeur de Johan Gatien, avec un petit peu de réussite, c'est-à-dire un contre-favorable. Iglesias plante le quatrième pour Clermont.